Sí. ¿La señora Mercedes Young? No, no está. ¿Eres familiar? Sí, soy su hijo. Le passage du temps, c'est, pour moi, c'est très important, surtout cette espèce d'idée de, comme dire, l'absence, c'est un peu la mémoire. Ces personnes, d'une façon ou d'une autre, ils sont réellement incrustés dans les paysages. Mmh. Et c'est pour ça que quand les personnages de Pau et sa mère arrivent dans les petits villages, ils commencent à chercher partout, et commencent à voir à travers le paysage, exactement qui est Alex. El Pau, quan era petit, va estar molt malalt. Els metges no sabien que tenia. Vinga a fer-li proves i no li trobaven res. L'Àlex estava molt gelós. Un dia es va escapar anant a l'hospital que l'anàvem a veure. Sempre feia coses d'aquestes. Normalement, je travaille de manière collective et assembléaire, de manière très, de manière libertaire. Et ça veut dire que tout le monde participe de manière active et aussi que tout le monde fait des propositions et commence à construire le personnage. Et, je m'explique un peu, c'est, on fait normalement, pendant les tournages, on fait des réunions périodiques après les jours de tournage. Et on commençait à discuter un peu ensemble exactement où il va chaque personnage. Ça veut dire aussi que j'écoutais beaucoup, j'ai laissé que tout le monde parlait. Et c'est intéressant de confronter des différentes opinions et de regarder un peu desde l'extérieur, commencer à prendre des notes et à décider exactement si un personnage allait un peu par là ou par autre endroit. Un peu comme ça. Pour moi, un festival, et quand aussi, c'est un endroit où je tiens la possibilité, l'opportunité de créer un espace de réflexion avec la presse, avec tout le monde, et parler sérieusement du film et un peu commencer à théoriser collectivement l'idée des films. Aujourd'hui, c'est le troisième jour que j'ai parlé avec la presse. J'ai une idée différente de Pau et son frère. Ça, c'est très intéressant. C'est comme si c'est une idée plus riche, plus collective. C'est une idée de partager les moments avec les autres. Et vraiment, ça sera très, très important pour préparer les prochains films et pour adopter un peu mon aptitude face au cinéma. Et... Bon, voilà, pour moi, c'est une réflexion, une réflexion constante. Parce que pour moi, le cinéma, il est très lié à côté de la vie. Et la vie, c'est un apprentissage constamment. C'est comme qu'il monte une petite escalière, pas à pas, tranquillement, doucement. Et voilà, un film, c'est un peu ça, non? Les premiers escalons, le deuxième, le troisième, sans bon.